s'élève de la terre jusqu'au ciel. Tel est notre lot. Et nos ailes brillent au soleil. On scintille toujours de plus en plus haut. T'es aussi, tu as cru en notre magie. Tout au long des jours, amis pour toujours. Nous sommes les Wings et tous nos pouvoirs nous éclairent. Nous sommes forts, on t'emporte, bien c'est fantastique. Car nous sommes magiques. Nous sommes les Wings. Flora rend le pendentif d'Héraclion à Sky. Et il retrouve la mémoire. Bloom combat courageusement le requin féroce et finit par obtenir la gemme du courage. Grâce à leurs trois gemmes, les Wings deviennent des fées Sirenix. Comment se passe l'entraînement des Wings, Griselda? Elles auront bientôt acquis le contrôle de leur pouvoir Harmonix, Madame Faragonda. Excellente nouvelle, mais j'ai bien peur qu'elle n'ait besoin du Sirenix pour mettre Tritanus en échec. Les Wings, formation de convergence. Concentrez-vous. Imprégnez-vous des eaux de la dimension magique qui vous entoure. Imprégnez-vous de la présence des créatures de l'océan. Elles représentent les forces vitales des eaux. Maintenant, unissez la magie de l'océan avec vos... Oh. Ça y est, je le ressens. Laissez vos pouvoirs magiques vous relier au monde sous-marin. C'est somptueux. Oh, wow. Regardez. Je n'arrive pas à ressentir quoi que ce soit. Bloom. Désolée, les filles. Ça ne te ressemble pas, Bloom. Tu dois réussir à te concentrer si tu veux garder le contrôle du Sirenix. Je sais, mais Daphné est toujours prisonnière de Tritanus. Je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir tenir. Fais-toi une raison. Les Trix ont transformé tes parents en statues de glace. Non! Dis-moi comment obtenir le Sirenix. Mes pouvoirs Sirenix sont protégés par la source du Sirenix qui se situe au lac du Rocalus. Tu ne pourras jamais acquérir le Sirenix, vilain monstre. Sauf si je détruis la source, et là je pourrai te prendre le Sirenix. Oh non. Je vais gagner, petite fée. Icy. J'arrive. Alors? Elle a parlé? Oui, enfin. Je sais quoi faire. Une fois que j'aurai le Sirenix, tu en seras aussi dotée, ma belle Icy. Oh. Et nous, je me demande ce qu'on aura. Ensemble, nous régnerons sur la dimension magique. Ah. Oui. Venez, vous deux. Oh. Quel culot. Oh. On a récupéré les trois gemmes, mais on n'a toujours pas le Sirenix. Si on ne trouve pas une solution aujourd'hui, on pourra dire adieu à nos pouvoirs magiques. Le livre Sirenix. Les Wings, c'est moi qui vous conseille. Vous avez réussi les épreuves de confiance en soi, d'empathie et de courage. Ainsi, vous avez remporté les trois gemmes. Cependant, afin d'accomplir votre quête, vous devez trouver la source du Sirenix en puisant au fond de vous-même. Je ne suis pas sûre de comprendre. Oh, c'est pas vrai. Eh oh, livre, arrête de nous faire des cachotteries, s'il te plaît. On doit absolument tout savoir. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix. On doit retourner à la bibliothèque magique.
n'arrivera jamais à le trouver. On ne doit pas baisser les bras. Boîte Sirenix. Tu demandes conseil à ta gardienne? Oui, parce qu'elle est censée m'aider. Gardienne du Sirenix, aide-moi, s'il te plaît. En quoi puis-je t'être utile, Stella? Dis-nous où se trouve la source du Sirenix, s'il te plaît. Pour trouver la source du Sirenix, tu dois chercher au fond de toi-même, princesse Stella. Le livre Sirenix nous a dit la même chose. Ça devient fatigant. Vous savez, les filles, je commence vraiment à m'inquiéter. Mettez-vous en file indienne! Non, 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 non! Tu ne dois surtout pas partir tout seul! C'est beaucoup trop risqué! Reviens ici! Oh, oh non, Tritanus! Il est au lac de Rocalus! Je dois le dire aux autres gardiennes! Daphné vont m'appartenir, ils me tendent les bras. Surveille cet endroit. Ne laisse personne entrer. Vous réduire en miettes. Attention! Si on ne trouve pas la réponse, c'est peut-être parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. Qu'est-ce que tu veux dire? Le livre Sirenix nous a conseillé de puiser au fond de nous-mêmes. C'est peut-être de cette manière qu'on trouvera la source du Sirenix. Oui. Boîte Sirenix. Gardienne, nous savons que la trouvaille des trois gemmes ne marque pas la fin de notre quête et que nous devons continuer à faire preuve des qualités qu'elle symbolise si nous voulons découvrir le Sirenix. Je vous félicite, brave fée. Vous avez réussi la dernière épreuve. Vous trouverez la source du Sirenix à l'endroit où votre quête a débuté. À l'endroit où notre quête a débuté. La luminosité est très forte aujourd'hui. Et il fait chaud. Il faut mettre de la crème solaire. On va bientôt arriver près de la grotte de Daphné. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le lac est en train de s'assécher. J'ai détecté une grande quantité de toxines dans l'eau. Oh non! La source du Sirenix! Il faut y aller! Wings Magic Harmonix! Rien n'égale cette magie éternelle. Et la super moi qu'elle révèle. Wings, c'est là qui nous donne Flou, la chance. Flou, de la flamme du dragon! La force vivée dans ses balances. C'est comme un éclat blanc de lumière. Défiant la gravité de la terre. La lumière m'entoure, me protège. C'est comme si
si je vivais un rêve tous les jours. Laura fait de la nature et explosant mille arcs-en-ciel, tout scintille et mes ailes m'envolent. C'est une autre moi qui prend le contrôle. Luisa fait de la musique. Tecna fait de la technologie. Les gardiennes ne nous ont pas rejointes. Je ne sais pas, mais on ferait mieux de se dépêcher. On y va, les Wings! Ah! Je sens une présence. Joli lac. Tritanus, tu ne perds rien pour attendre. Ah, c'est ce qu'on verra, petite fée. Tritanus, enfin. J'ai un cadeau pour vous. Les pouvoirs sirénistes de Daphné. Non, les pouvoirs. Ah oui. Ah. Non. Non. Je vous donne le Sirenix. Désormais, vous êtes invincible. Ha 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 ha
y arriver, Bloom. Concentre-toi pour ressentir l'essence du monde sous-marin. Concentration maximale. Wings Harmonix Convergence. Gardienne suprême du Sirenix. Je m'appelle Omnia. Dorénavant, vous êtes des fées Sirenix. Entrez dans l'océan infini. On a réussi! Ouais 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 ouais. Fais de la flamme du feu.
grâce au pouvoir Sirenix, vous aurez accès à l'océan infini pour l'éternité. Dépêchez-vous! Je n'ai jamais vu de poisson aussi beau! Waouh! Suivez-moi! Les Winx, en tant que fée Sirenix, vous devez faire un vœu. Un vœu? Alors demandez aux gardiennes de le réaliser. Trop cool! Mais d'abord, vous devez suivre votre destin. Il y a tout le temps un piège! Une dernière chose, soyez prudente, chère fée Sirenix. Un élément démoniaque s'est introduit dans l'océan infini. Tritanus! Il est encore plus puissant qu'avant et il a de solides alliés qui détiennent le Sirenix maléfique. Oh, les Trix! Si vous voulez débarrasser l'océan infini de ses démons, vous devrez apprendre à devenir pleinement maîtresse de vos pouvoirs. On travaillera dur! Oui, et on les battra! Me voilà enfin dans l'océan infini. Tu nous avais promis de nous y emmener, et tu l'as fait. Maintenant qu'on est ici, on peut naviguer dans les eaux de toutes les planètes de la dimension magique pour les conquérir. Les Winx vont vous barrer la route. Non, ça n'arrivera pas. Attention! Je vais les réduire en miettes. Tritanus découvre l'endroit idéal pour faire le plein de pollution. Il s'agit d'une île entièrement constituée de déchets flottants. Plus puissant que jamais, il lance une attaque sur la Terre. Les Winx se battent pour sauver la planète pendant que Tritanus prépare une cruelle surprise à sa cousine Lila.